Ah, dans le contexte actuel, c'est pas facile de vendre. Les gens, ils sont tous fauchés. Ouais, bah moi aussi, je suis fauché. Arrête de te plaindre. T'as perdu la main, Patrick. C'est ça, la réalité. Hein? Non, mais attends, j'ai fait tourner la boîte pendant 10 ans et... dis donc, tu veux qu'on regarde les chiffres? Moi, je veux que tu fasses rentrer du pognon, ok? Je veux de la vente, la vente, la vente. C'est vrai qu'il est pas mauvais, ce petit Tariq. Quand t'es entré dans la maison, t'as déjà fait les trois quarts du boulot. Le reste, c'est une question de bagou. 9 fois sur 10, et surtout en journée, tombe sur une bonne femme. Alors là, c'est dans la poche. Tu leur vends ce que tu veux. Hé, hey, poulette, tu peux pas ranger ton frère crétin et tes nichons ailleurs, hein? Tu vois pas que je cause, là? 25 ans de boutique, je te dis. Mais... Les annales se font chier. Alors, ils sont prêts à raconter leur vie à n'importe qui, surtout un mec sympathique et disponible. Hé, hey, les gars, c'est la mienne. Ah ben, Marco, si tu nous prends par les sentiments, on avale ça rapido. Hein? C'est bien pour moi qu'il vienne. Oh, Patrick. Mais c'est Patrick. Tu vas bien? Quand tu vas? Tiens. T'aimes bien les flingues, toi? Ouais, mon gars. J'ai 3 calibres différents à la maison. Et je m'entraîne souvent dans un club de tir, si tu veux tout savoir. Ah ouais? Et moi, les armes, j'y connais rien. Et regarde les petits lots, là. Oh putain, printemps, moi j'adore. Les femmes en tenue légère, souriantes, avenantes. Bon, revenons à nos affaires. Alors déjà, faut que tu sois observateur. Quand tu t'approches d'une maison, par la sonnette, faut que tu sens tes choses, là, par le nez creux, hein? Faut sentir les vibrations, les captations. Là, regarde celle-là, là, tu vois? Je la sens bien. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Ben, je sais pas. C'est un couple, c'est ça? Deux initiales, deux femmes. Elles veulent pas aller t'emmerder. Elles veulent pas qu'on sache qu'elles habitent là. Un couple, il ferait jamais ça. Enfin, un couple hétéro. Règle numéro 1. Savoir insister. Y'a quelqu'un? Bon, tu prends la porte de gauche et moi je prends la porte de droite, ok? Si tu tombes sur quelque chose, tu gueules ou tu me pipes, ok?
Y a quelqu'un ? Ça va, je vous dérange pas ? Excuse-moi, mais on a sonné. Et en fait, la porte s'est ouverte toute seule. Directement, alors on s'est dit... Vous fouillez dans mes affaires ? En fait, on a entendu une voix et... Ah ouais ? Je suis représentant. Je vends des machines à café pour faire des expressos. Vous vous appelez comment ? Louis. Et vous ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Un salopard ! Putain. Qu'est-ce que vous avez fait, là ? Détachez-moi ! Tu vas te taire ! Calmez-vous, là ! Il y a erreur sur la personne. J'ai entendu une femme. C'était pas vous qui étiez à l'interphone ? Mais tu vas la fermer, ta gueule ! Et vous faites de la peinture. Quand est-ce que tu vas arrêter de me vouvoyer ? Oui, oui, t'as raison. Excuse-moi, mais je t'ai dit, j'ai un collègue qui est dans une autre partie de la maison, il est parti dans une autre partie, et en arrivant, on a entendu une femme à l'interphone. Laisse tomber, c'est ma mère. Elle est barrée, ça s'arrange pas. C'est cool chez toi. C'est spacieux. C'est original, comme habitation. Tu parles. Ça ressemble à rien. Puis avec ma mère, en plus... Enfin bon, elle me fait pas trop chier. On a chacun notre espace. Il y a de la place, quoi. Puis je vais pas rester longtemps, je prépare une expo quelques mois, en fait. Et après, je me barre à Londres, ou à Berlin, on verra. Super. C'est classe, Londres. Berlin aussi. Thank you.
ce foutoir là. Dégage, maman. Tu vas ranger ta chambre, sinon ça va aller mal. Mais puis quoi encore? Dégage, pauvre folle. Dégage, bordel de merde. Dégage. Si tu bouges, t'es mort. Un seul geste et je t'éclate la cervelle, sale fumier. T'as cru m'échapper, hein? Ok, tourne-toi doucement maintenant. Pas de geste brusque, hein? Mets tes deux mains contre le mur, sinon boum! Fais un bon de vente pour une machine à café expresso, double tasse, percolateur. Ça te va? C'est pas mal une machine à café, non? Ma mère, elle aime bien le café, elle sera contente. C'est du bon café au moins ton truc, hein? Je veux. Bon, mais dis. T'es terrible, toi, tu sais. Bonjour. Nous voudrions vous parler de Dieu. Avez-vous quelques instants à nous accorder, s'il vous plaît? Au secours! À l'aide! Venez m'aider, je vous en supplie! Nous arrivons! Tenez bon!